Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. C'est parti pour un tour à Leroy Merlin, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils nous proposent pour les soldes. Panneau LED diamètre 40 cm, 50 euros au lieu de 129. Donc pour mettre au plafond, sur le mur. Et ils ont mis ça dans la cuisine, au plafond. Pack de deux mini lampes nomades tactiles, intérieur extérieur 40 euros. La blanc et rouge et du blanc. On les a en bleu, en vert et noir. Trois spots 30 euros. Bah, ils sont là, c'est ceux-là. Les en rond, en carré, mais ils sont vendus aussi individuels. À 10 euros, bah, ça revient à la même chose. Les 3 pour 30, sauf si vous en avez besoin que d'une ou d'un. C'est le même prix, vendu par 3 ou à l'unité. Enfin, je veux dire, ça revient à la même chose. On a cette lampe, 50 euros. On a celle-ci, 49,90 €. Alors, elle est pailletée. Voilà. Je ne savais pas si elle allait, on allait le voir... à la caméra, mais si, pailleté. Et alors, il y a une télécommande, mais je sais pas si c'est avec ou pas. Oh non, la télécommande, c'est pour la plus grande. Et donc, on peut, hop, l'éteindre ou diminuer, enfin changer. Je pense qu'on peut changer les teintes de couleur aussi. La plus grande est à 99 euros, 56 cm de diamètre. Et même la plus petite, il y a la télécommande apparemment. Alors, même avec la plus petite, vous voyez, il y a la télécommande aussi. On a tout ce qui est peinture, mur, boiserie, crème de couleur. 13,90 €. Masque carrelage et mur, effet béton. Peinture pour le sol, ça c'est bien pour faire bah, justement les escaliers, si vous avez un balcon, une terrasse, un garage. Donc 7 euros. Donc c'est un gris doré. Mur, boiserie, radiateur. Donc voilà, le rack peinture. Après, c'est selon ce dont vous avez besoin et ce qu'ils ont en stock. Tapis anti-poussière, 25,90 € au lieu de 29,90 €. On a du déstockage aussi. Le carrelage, 7 euros le mètre carré au lieu de 10 euros. Moi, je trouve ça génial, le fait d'avoir inventé comme ça un carrelage aux mêmes couleurs et même style que le parquet. Ça permet d'avoir le style du parquet, enfin l'effet parquet. Et d'avoir la qualité du carrelage, parce que ce qui est bien avec le carrelage, c'est que justement ça ne crame pas l'eau, c'est assez facile à nettoyer, je trouve. On a cela, c'est du carrelage, 10 euros le mètre carré celui-là. Après, quand on a du déstockage comme ça, ce qui est difficile, c'est de pouvoir trouver le nombre de mètres carrés dont on a besoin. Le carrelage sol et mur effet pierre beige, 4,90 € le mètre carré, et là pour le coup. Je pense qu'il y a pas mal, donc si vous avez des grandes pièces à faire, ça peut être intéressant. On a un autre à côté, 7 euros. 7 euros, c'est de la faïence mur médio, 20 cm sur 45 cm. On a des soldes aussi ici, qu'est-ce que c'est? Ragréage forte épaisseur, 12 euros au lieu de 19,90 €. Colle et joint, 2 en 1, 6 euros. Colle pour carrelage, 13 euros. Panier à linge en métal. Panier à linge métal urbain, 27,90 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en faire aussi une assise. Donc on peut après mettre son linge sale dans le salon ou dans une chambre, pourquoi pas. Puis après, avoir l'effet assise. 27,90 €. Il fait 58,5 de hauteur. On a un meuble de salle de bain simple vasque 60 par
58 par 33 de profondeur, 60 euros. Et je vois qu'il y en a un là, mais c'est du déstockage celui-là, à 15 euros. Par contre, on n'en sait pas plus, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est les mêmes références. On a, ça doit être un meuble sous vasque, ça, avec les deux tiroirs. 50 euros au lieu de 115. Miroir lumineux avec éclairage intégré, 109 euros, en forme de... Lot de 4 miroirs non lumineux, adhésifs, 3,50 euros. Porte-savon, banana, 50 centimes. Porte-savon céramique, bubble, 1 euro, 4,50 euros les petits miroirs hexagonaux. Après, on a un lot de 4 miroirs ronds comme ça, 4,50 euros. Après, ils disent que, enfin, on est dans le rayon salle de bain, mais on peut mettre ça où on a envie, hein, dans une entrée. Ça, c'est une petite tablette, hein, petite tablette pour mettre en dessous de votre miroir. La tablette, elle fait 50 par 12, 3,90 euros. Alors ça, c'est des pâtes à glace. Donc ça, c'est pour tenir votre, votre glace, les quatre coins de votre glace. 3 euros. On a les dorés, on a celle-ci. Ah, vous voyez, des fois l'image explique mieux que moi. Donc 3,90 celle-ci. On a argenté comme ça, 2,50 euros, enfin argenté chromé, 2,50 euros. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Support tablette. Alors donc ça, c'est ce qu'il vous faudra pour faire tenir votre tablette. Ah, deux supports tablette, 10,50 euros. On a ça aussi, support tablette. Vous allez accrocher au mur et insérer votre tablette. Panier à linge textile, 7,90 euros. Qu'est-ce que c'est que ça? Étagère de bain, douche d'angle. Ah oui, je ne voyais pas, donc c'est ça. 6,50 euros. On a 4 miroirs comme ça, en vague. 9,90 euros, donc adhésif. Donc on les met dans le sens qu'on veut, hein. Distributeur de savon, 45 centimes. Pack WC à poser, sortie horizontale, 59,90 euros. On a les plaques, vous savez, pour poser sur la, les plaques de cuisson. Donc, ils vont protéger votre plaque de cuisson. Et en même temps, ça fera un petit plan de travail en plus. Donc 18,90 euros et on a d'autres, d'autres modèles. On a celle-ci, blanc. Donc ils font 30 cm chacun, donc 60, donc normalement la taille de votre plaque de cuisson. Et 52 cm de largeur. Donc voilà, ça permet premièrement de protéger. Et voilà, comme ils font là, de cuisiner dessus, ça vous fait un petit espace en plus. Et on a troisième modèle, merci, qui est comme ça. Donc 18,90 euros. Et un autre, donc ils sont en vert. Et celui-là aussi. La boîte à pain en métal, 9,90 euros au lieu de 22,90 euros. Et à côté, à mon avis, c'était peut-être un pot à provision. Je sais pas. Mais elle est jolie la boîte à pain. Après, on a un panier coulissant à 10 euros. Donc, c'est pour les meubles de 40 cm. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais peut-être que c'est ce que vous recherchez. Je vois 4 angles universels à 6 euros. Ah oui, ça y est. Je crois que c'est pour c'est les angles pour cacher peut-être les plaintes. Ah, des supports sacs poubelles repositionnables. C'est sympa ça, pour pouvoir avoir toujours le sac ouvert disponible. Donc soit à l'intérieur de votre placard, soit à l'extérieur. 5,99 euros. Ça c'est bien aussi, c'est les planches à découper.
qu'on va replier un petit peu pour pouvoir mettre ses légumes, enfin ce qu'on a coupé, directement dans la casserole ou dans la poêle sans en mettre partout. Tiens, question, se passer au home, 30 euros. Il fait 2 mètres de hauteur, 80 cm de large et 30 de profondeur. Dressing, 149 euros. En kit duo comme ça. Alors c'est bien parce qu'il y a les rideaux, il y a deux rideaux qui sont inclus et c'est pas mal parce que du coup on n'a pas cherché de porte et si on n'a pas de creux avec les portes, ça permet de cacher si on n'a pas envie de que ce soit à portée de vue. Moi par exemple j'aime pas quand on c'est à portée de vue. Donc, après chacun ses goûts, mais je trouve que c'est mieux. Et là le fait qu'il y ait deux rideaux, c'est que en fait on a un emplacement spécial parce que quand on achète des dressings où il n'y a pas les rideaux, en fin de compte, c'est plus compliqué de les ajouter, c'est-à-dire qu'on est obligé de les rajouter au-dessus. Et là, on va avoir le petit creux pour la tringle. Donc c'est extensible, ça va de 1m63 à 2m19, c'est vous qui allez décider par rapport à l'endroit où vous allez le mettre. 2m18 de hauteur, 18.3 exactement. Et donc après, vous voyez, vous avez deux caissons comme ça, et puis un petit comme ça. Et puis là, le petit, bah voilà, c'est plus simple comme ça. Je trouve que c'est intéressant, hein, 149 euros. Après, Pack City, mais je crois que le Pack City, donc, c'est les portes. 2m50 sur 1m20, 50 euros au lieu de 119. Petite étagère murale, 9,90 euros. Coloris rouille ou noir. En dessous, il y a des petits crochets. Donc on peut mettre ça dans une entrée, pourquoi pas. Étagère murale bureau, ça peut être vraiment intéressant en fait. Hop, elle est rabattable. Bureau ou bien, pourquoi pas dans une cuisine. Après, c'est une couleur peut-être pas à mettre dans une cuisine, ça dépend. Mais je trouve que le système est intéressant, 37 euros. Donc pour avoir un petit coin bureau, pourquoi pas dans votre chambre, et puis hop, refermer quand vous n'en avez plus besoin. Hublot de porte en métal, 64,40 €. Ça fait un peu comme dans les cuisines, dans les films. Du lambris tech blanc, teinté ultra oud, 50 euros le mètre carré. On a cette teinte aussi. Thermostat connecté, 59 euros. On a le pare-feu pour cheminée, 45 euros. Voilà mon petit tour à Leroy Merlin. Bien évidemment, il y a encore pas mal de petites choses intéressantes. Oui, j'ai même pas vu comme le radiateur sèche-serviette, mais je vois pas le prix. Ça peut être intéressant, mais je vois pas le prix. Voilà, il y a encore plein d'autres choses intéressantes. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.